constaté, puisque maintenant le taux de naissance est à 1,80, alors qu'il était à plus de 2 dans les années 2015. Vous la regardez autour de vous. Comptez les familles qui ont plus de 3 enfants ou plus de 2 enfants. Voilà. On reste peu ici. Voilà. Donc c'est vrai qu'on discute. C'est vrai que l'année dernière, déjà, la réflexion académique m'avait demandé mon avis. Et c'est vrai que nous, l'avis qu'on donne, c'est quand il veut ouvrir une classe, savoir si on a les bâtiments nécessaires. Et quand il veut fermer, c'est lui qui décide. Alors après, vous reprenez, vous dites qu'on a le taux d'encadrement le plus faible. On est à 13 400 enfants sur la ville de Toulon. On est à 650 classes et on a une moyenne de 20 enfants par classe. Donc il ne faut pas prendre les généralités nationales pour ce qui se passe à Toulon. Quant à la concertation sur les écoles Casanova, Mistral et Lazare Carnot, si vous regardez bien la délibération, il y a une fermeture de classe à Nardi, il y a une fermeture de classe à Claret, qui est à 200 mètres de l'école Casanova. Donc peut-être qu'il faudra qu'on se pose la question, ou en effet, et on va le faire, puisqu'on va retravailler la carte scolaire, que les parents respectent la carte scolaire. Est-ce qu'on veut de la mixité ou est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce qu'on veut des écoles ghetto ou est-ce qu'on n'en veut pas? Voilà. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Les parents doivent respecter la carte scolaire. Et la carte scolaire étant votée maintenant au département, nous allons travailler ensemble sur la carte scolaire de la ville de Toulon. Monsieur. Oui, je vous remercie. Effectivement, ce n'est pas un avis, c'est une information qui nous est donnée, donc nous prendrons acte de la communication de cette information. Lors de la commission ressources, dans les questions que j'avais pu poser, j'avais souhaité avoir des documents issus de l'inspection académique qui expliquent de manière... Il faut leur demander. Pardonnez-moi. Siégeant au conseil municipal. Recevant une information au titre du mandat municipal, je crois de l'ordre de la bonne tenue de notre travail municipal, de le solliciter au moment où on nous expose une délibération. Et je ne vous fais pas grief du tout de ne pas m'avoir communiqué ce que l'inspection académique ne vous a pas transmis. Et donc permettez-nous juste de dire qu'il nous semble étrange, de la part de l'inspection académique, pas du tout de votre part, qu'aucune étude d'impact soit fournie à la ville de Toulon. Encore une fois, il n'y a pas là, dans mon propos, une critique à votre égard, à l'égard de la majorité. Je vais en avoir tout à l'heure sur votre délibération. Mais là-dessus, c'est une première observation. C'est-à-dire, l'inspection académique nous transmet ses choix de fermeture de classe, ne transmet aucune étude d'impact. Oui, alors vous demandez parce qu'ils en ont une. Aucun seuil. Et s'ils en ont, Je pense qu'il serait bon qu'elle soit communiquée à la ville et que la ville la mette à disposition des élus pour comprendre et répondre aux parents. On n'est pas décisionnaire, encore une fois, dans la chose, je vous l'accorde. Et il y a tout un tas de mécanismes qui interviennent là-dedans. Vous avez parlé de natalité, vous avez raison. On parle aussi de la chute de notre système éducatif pour ce qui est du public, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui, on explose dans le privé, on explose... C'est pas vrai. Regardez, on a des études. On n'a jamais eu autant d'écoles hors contrat. On n'a jamais eu d'écoles hors contrat aujourd'hui comparé au passé. Et donc, il y a toute, effectivement, une réflexion. Mais voilà, nous voulions simplement, tout en prenant acte, vous faire voir qu'alors qu'on a demandé, et si l'inspection académique a ce type de documents et peut les transmettre, tant mieux, mais comprenez simplement que, modeste élu d'opposition, si on le demande à la commission ressources, nous puissions, si ce document existe, l'obtenir. Ça nous permet d'avoir une information totale, est-ce qualité d'élu, puisqu'on nous soumet une délibération, certes pour prendre acte, mais qui nous permet aussi d'avoir les éléments de réponse pour des parents qui, bien souvent d'ailleurs, n'ont pas forcément conscience de la responsabilité des uns et des autres, et qui s'adressent très facilement aux élus, parfois alors que ce ne sont pas du tout de leurs prérogatives. Donc nous prendrons acte de ces 4 fermetures de classe, d'une ouverture et d'un dédoublement, là aussi, dans la stratégie de dédoublement, on pouvait avoir des débats, on en a déjà eu ici, et on en aura par le futur également. Merci. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est approuvée. 3-0-2, c'est l'attribution de subventions à 4 associations relevant de l'éducation. Donc c'est pour un montant de 22 324, principalement pour des séjours d'hiver ou de printemps. Qui est pour? Qui s'abstient?
La délibération est adoptée. Monsieur Cavana. Merci Madame le Maire. En première délibération, je demande un soutien financier auprès du Conseil régional pour acquisition d'équipements au profit de la police municipale. Qui s'abstient ? Il est contre. La délibération est adoptée. Deuxième demande de soutien financier toujours auprès du conseil régional dans le cadre de son dispositif de communes d'abord. Il s'agit de cofinancer la réhabilitation d'un bâtiment qui est attenant au stade Fernandez. Qui s'abstient ? Il est contre. La délibération est adoptée. La suivante. Toujours une demande de soutien financier, cette fois-ci auprès de la Fédération française de football, pour nous aider dans la construction ou la rénovation d'équipements. Au cas d'espèce, à la Bouquère, à Sainte-Luce et au stade Est Public. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Encore une demande de soutien financier, cette fois-ci auprès de l'Agence nationale du sport, dans le cadre d'un programme intitulé 5000 équipements sportifs de proximité. Et nous avons 4 opérations qui sont éligibles à ce soutien financier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. La 05. Demande de soutien financier auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il s'agit cette fois de vous faire aider financièrement pour l'installation de six caméras et l'acquisition de gilets pare-balles. Monsieur Leroy. Merci Madame le Maire. Chers collègues, en lisant cette délibération, j'ai eu envie de partager une réflexion sur les moyens de lutter contre la délinquance. Pensez-vous qu'une caméra soit vraiment dissuasive ? Au mieux, elle fera déplacer la délinquance hors de son champ de vision. Et vu la surface de notre territoire, le couvrir de caméras est complètement illusoire. Je vous rappelle une étude de la gendarmerie de 2021 qui pointait que sur 1939 enquêtes, seules 22 ont pu être résolues grâce à la vidéosurveillance. Les médiateurs de nuit ont été créés au début des années 2000 dans les quartiers de la Beaucaire d'abord. L'expérience a été élargie à d'autres cités toulonnaises et à la commune d'Olioule. Le financement était mutualisé, État, région, département, ville. La formation et le recrutement étaient de la responsabilité de la Ligue de l'enseignement. Un comité de suivi se réunissait régulièrement avec un élu de chaque collectivité, assisté d'un fonctionnaire, et l'État était représenté par le sous-préfet de Toulon. La mission de ces médiateurs, qui disposaient de véhicules pour accomplir leur job, était d'intervenir sur les conflits de voisinage, les petites altercations qui brusquent la vie des quartiers et ne nécessitent pas l'intervention de la police. Ils sont dans la médiation, pas la répression. Pour être efficace, il faut d'abord gagner la confiance des habitants, et notamment des jeunes, par une prise de contact avec le quartier, par le biais des responsables associatifs, des locataires, des gardiens, des animateurs de clubs, etc. C'est une partie importante du travail, celui qui permet d'intervenir sans trop d'accroc et être accepté par le plus grand nombre. Le travail de présence se déroulait entre 19h et minuit par des tournées dans le quartier avec des véhicules identifiables. Des rapports quotidiens étaient remis aux responsables du dispositif afin de mesurer les problèmes et d'y faire face. Les médiateurs étaient aussi des interlocuteurs dans un rapport de confiance avec le responsable de la police chargé des problèmes de la ville. Toulon, à l'époque, avait eu la chance de bénéficier de la présence d'un comité principal spécialisé dans ce domaine, attentif, à l'écoute et disponible. Cette organisation a plutôt bien fonctionné, mais cela réclame effectivement des moyens relativement conséquents, des équipes formées et solides, pas dans le genre grand frère où les recrutements sont plus aléatoires, un investissement du politique. Plutôt que de supprimer ce qui marchait relativement bien, il aurait fallu au contraire le consolider et l'adapter aux évolutions de la vie des quartiers. À la disposition de ce dispositif, les réseaux de dealers ont eu la voile pour s'installer dans ces quartiers avec la suite que l'on sait. Aujourd'hui, à part la BAC dont la mission est de sauter sur les contrevenants, la nuit, il n'y a personne en interface comme interlocuteur des habitants. La prévention, au final, est beaucoup moins chère que la répression. Reconquérir l'espace ne sera pas une chose facile, mais investir dans ces médiateurs sera sûrement plus bénéfique pour rendre la ville plus sûre qu'investir dans des caméras à l'utilité mise en doute même par la gendarmerie. Le réseau des villes correspondant de nuit et de médiation sociale est ouvert à toutes les structures gérant des services de médiation sociale, qu'elles soient en phase de création de dispositifs, dans une phase de lancement ou en charge de services pérennes. Il regroupe aussi bien des villes de droite que de gauche. J'espère, Madame la Maire, que vous saurez bientôt infléchir la politique de prévention de notre ville
et que vous prendrez conseil auprès de ce réseau. Peut-être même que tout le monde pourra y adhérer. Merci. Monsieur le roi. Merci, madame le maire. Je répondrai sur les caméras si l'avis de la gendarmerie qui est en zone rurale avec cette étude, ce n'est pas du tout l'avis de la police nationale. C'est pas du tout l'avis de la police nationale avec qui on travaille tous les jours pratiquement, avec qui on travaille pour améliorer le maillage et augmenter le nombre de caméras. Voilà, ça leur permet de résoudre énormément d'affaires. Donc avec la police nationale, qui font partie d'une commission pour choisir les secteurs où on va rajouter des caméras, on travaille tous les jours et c'est vraiment très utile pour résoudre les problèmes, puisque lorsqu'il y a une plainte, ça leur permet de vérifier ce qui se passe. Madame Muscotti. Merci Madame la Maire, mes chers collègues. Je voudrais réagir parce que on peut avoir des avis différents sur la situation, mais lorsque nous sommes parfois dans la caricature, je pense qu'on se doit peut-être de venir écorner un tableau fait et qui n'est pas forcément juste. Premièrement, la délinquance et la violence ne se retrouvent pas uniquement dans les quartiers prioritaires. Il faut en avoir conscience. Il peut y avoir des formes de violence extrêmement différentes en fonction des quartiers, mais malheureusement, elle peut toucher différents strates sociales. Et stigmatiser les quartiers prioritaires serait, à mon avis, une erreur pour pouvoir avoir un diagnostic réel. Deuxièmement, oui, nos établissements scolaires ont peut-être besoin de vigilance supplémentaire, puisqu'il s'agit de nos enfants, de nos adolescents, de nos jeunes adultes, et que, enfin, oui aussi, la vidéosurveillance est une forme de vigilance supplémentaire, de dissuasion, et je trouve ça extrêmement important que nos établissements scolaires en soient dotés. Enfin, j'essaierai de ne pas lancer de polémique sur la BAC qui saute sur les contrevenants, je pense que nos policiers seront heureux de vous entendre dire ça, mais là aussi, on est dans la caricature, et je vous invite à aller voir au quotidien le travail de nos forces de police, qui sont, je vous le rassure, bien au-delà de cette simple image caricaturale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Davaran. Oui, je vous remercie. C'est vrai que si on parle beaucoup de quartiers prioritaires et de délinquance dans ces quartiers, c'est pas pour rien. Ça ne résume pas toute la délinquance, mais ça dit bien aussi quel est le problème de notre société. Quand on délibère sur les gilets pare-balles, on délibère sur les équipements de protection pour notre police municipale qui, comme jamais, avec tout un tas aussi d'autres personnes, on peut parler de politique de répression, je ne suis pas sûr que les pompiers, que les ambulanciers, les éboueurs, quand ils sont attaqués lors de leurs interventions, c'est généralement plutôt dans les quartiers prioritaires, c'est vrai aussi, qu'ailleurs, mais encore une fois, la délinquance ne se résume pas qu'à ces quartiers. Mais toutes les personnes qui ont l'image un petit peu de l'autorité ou du service au public sont aujourd'hui attaqués. Notre police municipale, donc il est bon de délibérer pour les équipements. On s'est même posé la question en commission de fournir des équipements liés aux menaces. Or aujourd'hui, les menaces sont toujours plus importantes, mais aussi ces équipements doivent être liés au bon fonctionnement, à la bonne mobilité des agents. Donc c'est toute la difficulté, c'est les protéger jusqu'à quel point pour qu'effectivement ils puissent accomplir leur mission. Sur la vidéo, nous allons voter pour aussi la vidéo. Je pense que les gens qui ont été cambriolés la semaine dernière par deux ressortissants des Balkans, hein, des clandestins, qui ont été interpellés grâce à la vidéosurveillance, sont plutôt satisfaits, comme je crois les centaines de Toulonnais, pour lesquels les affaires de vol, d'agression, d'attaque, de menace ou d'intimidation peuvent être, en tout cas, si ce n'est résolu, tout du moins aidé dans leur résolution par l'intermédiaire d'une vidéosurveillance qui est très encadrée mais qui ne fait pas tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir que la délinquance s'adapte à la caméra, mais la caméra aide aussi. Et tout l'arsenal qui peut être fait pour protéger nos agents, pour protéger la population, est une bonne chose. Mais encore une fois, il faut aussi voir par quel mécanisme aujourd'hui la société s'en sauvage, parce que c'est aussi, pour nous, un souci particulier, c'est que plus on avance, plus le risque qui est pris par les agents
où le risque qui est soumis aux gens en général est de plus en plus important et on est obligé, hélas, de délibérer sur de plus en plus d'argent pour des supports qui jusqu'ici étaient ceux de la police nationale et pas ceux de nos modestes moyens de police municipale qui, malgré tout, font aujourd'hui appel à beaucoup de force pour les agents, beaucoup de volonté de leur part et une hiérarchie qui les encadre, je crois, de bonne manière. On a tendance à souvent critiquer, mais je crois que pour ce qui est de nos forces de police, ils prennent quand même plus de coups dans la figure et de crachats, quand ça n'est pas physique, c'est au moins moral. Je crois que ce soutien que nous devons leur apporter doit être plein et entier. Je ne m'attendais pas à une aussi longue discussion sur les caméras. Merci. Qui est pour ? S'abstient ? Qui est contre ? La délibération est donc adoptée. Donc voilà, la 6-06. Alors, il s'agit de signer le contrat, le nouveau contrat de B, qui va s'échelonner de 2023 à 2025. Tout le monde sait ce qu'est un contrat de B. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est qu'au titre de la phase 1 de ce contrat de B, la ville s'engage à réaliser des opérations de désimperméabilisation et de végétalisation de cours d'école. Aujourd'hui, ce sont 4 écoles qui sont visées, Longue-Pierre, Fort-Rouge, Saint-Roch-Murère et bien évidemment d'autres écoles font l'objet de réflexion et il y a des projets en cours pour justement remplir un calendrier futur pour ce type d'opération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Alors, pour la prochaine délibération, Madame Brunel, Monsieur Maël, Monsieur Moreno, Madame Di, Madame Turban, Monsieur Charpon, Madame Lisa, Madame Moussaoui, Monsieur Pardigon, Madame Muscotti et moi-même ne participent pas au vote. Cette élection est le résultat de l'attribution de subventions à 46 associations dans le cadre du contrat de ville. Pour un montant de 839 500 euros. Monsieur Lavrat. Je vous remercie. En préambule, je vais intervenir sur un sujet qui relève de la commune, j'espère. Qui relève de la commune, qui relève des subventions et sujet qui toujours fait sortir de leur gond un nombre assez réduit de personnes, mais tout de même, c'est une subvention à une structure qui s'appelle le planning familial. Je tiens d'abord à rappeler, du coup, en préambule, que chaque individu, et alors ça, c'est pas du tout discutable, je crois, de notre ensemble, a droit au respect de la dignité de sa personne. Mais nous est proposé au vote une subvention pour le planning familial liée à son action sur les discriminations LGBTI plus QUA ABCD, enfin voilà. Je voudrais commencer cette intervention par vous poser une question sur la campagne liée à ce sujet-là du planning familial. Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Original, habile, ou plutôt très étrange à nos yeux. Vous avez sûrement entendu parler de wokisme. Est-ce que... Je m'en ai resté dans le coup de main, s'il vous plaît. Mais, pardonnez-moi, mais puisqu'on verse une somme à cette association sur les actions liées à ce sujet-là particulièrement, pardon, c'est ce qui est listé, hein. Je voudrais savoir si la majorité municipale est d'accord, comme le planning, sur le fait que des hommes aussi peuvent être enceints. On est en démocratie, chacun pense ce qu'il veut. C'est très bien, mais l'argent public, c'est pas le vôtre, c'est celui des Toulonnais, et simplement que sur ce sujet-là, on cherche peut-être à tirer un consensus. Je dis tout de suite que les attaques, peu importe d'ailleurs l'origine, même la nationalité, notre famille politique a sur la question de l'immigration, une position bien arrêtée, mais les individus ont chacun droit au respect de leur dignité. Et donc je parle bien là, pour ceux qui
s'appelle les actions sur les LGBTI+. Ouais, parce que moi, j'ai cherché à chaque fois les dénominations. Hein, et en fait, on ne s'en sort plus parce qu'il y a tout un tas d'acronymes, de termes, d'ailleurs que j'ai moi-même eu du mal à comprendre. Mais donc, on verse de l'argent à cette structure qui a d'autres actions qui ne forment pas l'objet de mon intervention. Mais là, là-dessus, c'est les actions sur les genders fluides, les intersexes, les homocurieux, les demi-romantiques, les cisgenres, les asexuels, les androgynes, les allosexuels, les allé-hétéros, les aroas, les abrogeurs, les bicurieux. Au fait, monsieur. Et donc, au fait, est-ce que cette majorité municipale est d'accord pour financer les campagnes, pour savoir que les hommes aussi peuvent être enceintes? Oui. En sachant que sur la question des violences, et c'est là où il y a toute la délicatesse de la chose, l'an passé, lorsqu'il y a eu des tags LGBTIQA plus phobes dans les rues de Toulon, c'est un transgenre qui l'a tagué contre le lobby LGBT. C'est-à-dire que ce sujet-là n'est pas un sujet, pardonnez-moi, mais qu'on peut balayer comme ça, ou un sujet sur lequel on peut faire une forme de chantage affectif, de moralisation extrême. Encore une fois, est-ce que la majorité municipale est d'accord pour financer la campagne du planning familial pour nous dire que les hommes aussi peuvent être enceints? En tout cas, les derniers cours de biologie que j'ai pu recevoir, de tout le mystère et le miracle du corps de la femme en particulier, lorsqu'elle est enceinte, qu'elle a la capacité de donner la vie, de nourrir son enfant, je crains quand même qu'aller mettre de l'argent là-dedans, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde et jeter de l'argent par les fenêtres. Donc nous nous abstiendrons sur la totalité de ces subventions, parce qu'il y a beaucoup de subventions. J'ai pris là une association et sur une action particulière, qui est juste celle que nous finançons. Beaucoup d'autres associations n'ont pas de sujet discutable. Mais là-dessus, bah, nous partons plutôt du principe qu'une subvention pour nous dire que les hommes aussi peuvent être enceints, c'est jeter de l'argent par les fenêtres et répondre à une idéologie aujourd'hui qui s'appelle le wokisme et qui constitue un nouvel ordre moral, une fragmentation de la société qui, à nos yeux, devient un peu folle. Pardon, mais pour nous, non, seules les femmes peuvent être enceintes et il n'y a pas besoin de mettre de l'argent là-dedans. On a bien compris, mais comme vous l'avez dit vous-même, le planning familial, l'action n'est pas seulement celle-là, il y a l'accueil, il y a l'écoute, il y a l'orientation. Sur les LGBTI, reprenez le tableau, ou alors vous vous a trompé dans le tableau. Vous l'avez dit vous-même. Madame Scotti. Merci, madame la maire. Effectivement, moi non plus, je ne pensais pas qu'on aurait beaucoup de débats sur ce type de délibération. Mais à un moment donné, c'est compliqué de rester silencieux face à ce type de propos. J'ai envie de dire au Rassemblement National, bienvenue dans la réalité. Et dans la réalité, il n'y a pas que des personnes hétérosexuelles. Et c'est ainsi. Et lorsqu'on défend la République, on doit aussi se donner en capacité de protéger l'ensemble de nos individus, quelle que soit leur orientation sexuelle. Pour rappel, les chiffres sont stabilisés pour début 2022. Il y a plus de 3800 atteintes sur les personnes qui ont une orientation sexuelle différente que l'hétérosexualité. C'est une augmentation de 28% d'agressions sur ces publics-là. Donc il y a un véritable problème. Donc oui, nous devons donner les moyens à nos associations compétentes à la matière de faire de la prévention, accompagner au mieux ces publics-là et le reste de la société. Merci beaucoup. Il n'y a pas une autre association qui nous dirait que les hommes peuvent, enfin, qui ne dirait pas que les hommes peuvent être enceintes. Moi, j'ai rien contre tout ce que vous avez dit. Non, les hommes peuvent être enceintes. Merci. Elle devient homme. Elle n'a pas dit que elle est. C'est bon. Qui est pour? Ah, mais non, je ne peux pas voter. Qui est pour? Ça va faire des recherches. Qui s'abstient? Je ne sais pas. Tu es obligé, M. Kouchev. La culture n'est pas du bien. On va passer à la délibération suivante, la 06, s'il vous plaît. Ah, la sujet a priori moins clivant, puisqu'il s'agit de subventions d'associations Toulon Var Technologie dans le cadre d'un salon international organisé à la spécialité. Alors, Madame Turban, Monsieur Mahaline, Monsieur Master ou Madame Penn ne participent pas au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue la 201.
maire consigne une convention d'occupation temporaire du domaine public constitutif de droit réel au bénéfice de la SASP Rugby Club Toulonnais au Stade Vert. Effectivement, on a déjà signé une première qui a permis la réalisation d'un certain nombre de structures. Et ici, il s'agit pour eux de terminer leur programme, qui doit être terminé au bon moment, puisque ce site a vocation à accueillir lors de la Coupe du Monde de rugby le club actuellement champion du monde, l'équipe d'Afrique du Sud. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération est adoptée. On continue avec la 3-0-1. C'est la signature d'un protocole de médiation avec les époux Picot pour clôturer un vieux contentieux indemnitaire. Alors, c'est une histoire un peu complexe, dans la mesure où un logement avait été considéré comme insalubre au terme de la procédure. Et la particularité, c'est que les propriétaires bailleurs logeaient quelqu'un de la famille avec lequel ils s'entendaient. Bon, bref, on a été obligé de se substituer aux bailleurs pour un certain nombre de financements. Et aujourd'hui, on arrive au terme d'un processus sollicité par le tribunal administratif pour que l'on passe non pas par les voies juridictionnelles, mais par la voie de la médiation. Je voudrais attirer simplement votre attention sur un point, c'est qu'il est indiqué dans la délibération que la ville abandonne les créances à hauteur de 30 223 euros. Ce chiffre n'est pas exact en pratique. On a conservé ce chiffre pour des raisons purement comptables, sinon il aurait fallu annuler toute une série de titres de recettes et les remplacer par de nouveaux titres de recettes. La somme sur laquelle la commune s'abstient de prélever est égale à 7 200 euros. Donc c'est uniquement pour des raisons comptables que le chiffre de 30 000 et quelques apparaît. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. À la 401. Que vous vous autorisez à signer la convention électricité 2025 avec l'UGAP. Bon, régulièrement, l'UGAP met en œuvre des achats groupés d'électricité. Nous avions adhéré au premier groupement. Il s'agit de renouveler ce groupement à compter du 1er janvier 2025 pour bénéficier des prix qu'obtient l'UGAP. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. La 402, Madame Mounier sort de la salle et ne participe pas au vote. Nous lançons un concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la création d'une médiathèque et d'un jardin à Saint-Jean-du-Var, dite propriété Marmatin. Donc c'est une procédure qui va s'écouler sur à peu près une année. Et au terme de l'année, de cette année, nous déterminerons quel est le maître d'œuvre qui réalisera son projet. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, un projet de médiathèque et de jardin dans les quartiers Est de Toulon ne peut que nous réjouir. Et pour revenir à ma première intervention, avec quelle implication des habitants, le cahier des charges a-t-il été élaboré ? De quelle manière les projets des trois candidats seront-ils rendus publics avant le choix par le jury ? Une exposition de ces projets serait très intéressante. Pourquoi ne pas le localiser à la médiathèque de la Roseraie, par exemple ? Cette transparence dans les décisions concernant les grands projets de la ville me semble une des bases de la démocratie et j'espère que vous prendrez en compte ces remarques aussi bien sur ce projet que sur les grands autres projets comme Mayol à Pipadi. Je renouvelle par ailleurs mon souhait d'être impliqué, même de manière purement consultative, aux décisions concernant ces projets d'urbanisme. En tant que nouveau maire de Toulon, première femme élue à la tête de la ville, je pense que vous avez l'occasion et peut-être même le souhait de changer certaines pratiques et je vous en remercie par avance. Alors, s'agissant de ce qui va nourrir, de ce qui a nourri le cahier des charges, d'abord on a pris un programmiste spécialisé pour analyser les besoins. Et ensuite, nous avons consulté les équipes de la bibliothèque et nous avons pris en compte l'expérience de chacun. Donc en amont, il y a toute une réflexion, toute une concertation avec les professionnels de ce type de structure qui a été réalisée. Maintenant, s'agissant de ce que vous demandez en aval,
Je suis désolé de vous dire que la plupart de ce que vous avez souhaité n'est pas possible. Je ne peux pas vous faire siéger au sein de la commission d'appel d'offres qui va analyser les dossiers. C'est interdit. Ah oui, c'est interdit. Ben, écoutez, je vais vous passer l'article du Code de la commande publique qui liste les personnes qui siègent dans un jury concours. Je ne peux pas faire visiter à la moitié de la ville les esquisses qui seront données. Il y a pourtant des concours où on voit les esquisses des différents projets. Oui, ça c'est fini. Ça c'est fini. Ce ne sont pas des procédures publiques. Puisque nous-mêmes ne connaissons pas, dans le cadre de concours, on ne connaît même pas le nom des auteurs des esquisses. C'est anonyme. Que ce soit anonyme est tout à fait juste. Mais je ne peux pas vous faire siéger la commission dans le jury concours. Puisque le code de la commande publique donne exactement le contenu des membres, enfin la liste des membres du jury concours. Comme d'ailleurs l'a pu pas dire, on a vu des dessins, mais sans voir tout ce qui a été projeté, on a vu juste une petite partie sans avoir les éléments. C'est un petit peu bizarre d'avoir des projections comme ça sans avoir quelque chose de. Ça n'était pas contractuel, ce qu'on vous a montré. Il n'était pas dans le marché d'appel d'offres engagé. Ou tout au moins, certaines des images qui nous ont été données ont été au terme d'une procédure. D'accord, la procédure, on ne peut pas. Merci beaucoup. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La 403. Alors, il s'agit d'autoriser la signature d'une convention entre GAL entre GRDF, Atlantique et la ville de Toulon. On répond dans cette délibération aux dispositions du décret tertiaire, qui est un décret de 2019, et qui incite les collectivités à réduire la consommation énergétique dans les bâtiments qui sont affectés à des activités tertiaires. Et donc, dans le cadre de ces prescriptions, GRDF nous propose d'expérimenter une solution de pompe à chaleur RO. Vous ne me demandez pas comment ça fonctionne. Et c'est une société atlantique désignée par GRDF qui fournit le matériel à charge pour la ville de Toulon de s'occuper de la tuyauterie. Et l'objectif d'économie envisagé de l'ordre de 15 à 20% du coût de chauffage. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La 501. Alors, Mme José Massy exerçant actuellement les fonctions de maire, il s'agit de la remplacer au sein du comité local de la Caisse des écoles. Si tout le monde en est d'accord, on pourra procéder à la désignation de ces remplaçants à main levée. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est non ? On vous propose Mme Mondon et M. Cazot. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Toujours pareil, la modification des délibérations, toujours pour la même. Voilà, pour les commissions organiques. Et il s'agit de désigner M. Christophe Moreno en lieu et place de Mme José Massy. Alors, là aussi, si tout le monde en est d'accord, on peut voter à main levée. Alors, qui est pour voter à main levée ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour désigner M. Christophe Moreno ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et enfin, même chose pour le conseil d'administration de l'association des centres sociaux. Et désigner donc Mme Valérie Bourbonne, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, M. Cavanna. Mme Lévy. Oui, merci, Mme Lévy, mes chers collègues. La CRN Jabbar a pris proposition, une réquisition pour deux immeubles situés 15 et 17 rue Pomme de Pin, pour un prix total de 246 000 euros, soit légèrement au-dessus de l'estimation des domaines. Ces deux immeubles étant en très mauvais état, murés en grande partie, et seront réhabilités par l'acquéreur. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La 202. Oui, c'est simplement, on abroge deux délibérations concernant la vente d'une
propriété d'un terrain cadastré de B152, l'acquéreur potentiel s'étant retiré de la vente. Monsieur Navarre. Oui, on avait débattu de ce sujet-là au moment de la délibération. À l'époque, nous trouvions que le projet de promotion immobilière n'était pas, selon nous, convenable. C'est pas du tout pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'il a été retiré. C'est parce qu'il était plus viable économiquement, a priori, pour son pour l'acquéreur. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est de permettre, quand on a ce type de terrain, c'est vrai qu'il y a la question de ce ruisseau à curer sur lequel il faut laisser la métropole et sa servitude pour pouvoir y accéder. Et c'est bien nécessaire aujourd'hui quand on voit les précipitations et toute la délicatesse du pluvial. Et donc nos ruisseaux doivent être bien entretenus pour cela. Je crois que c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Excusez-moi, je pense que c'est bien celle-là. Non, mon cher collègue, là, effectivement. On est bien sur la 2202. Oui, notre acquéreur potentiel avait déposé. Je vous permets. Avait déposé. Demande de permis de construire. Qui en était refusé. Donc il se retire de la vente. Donc du coup. Et on abroge les délibérations. Ce que je vous dis là, pardonnez-moi, je vais me permettre du coup de reprendre mon propos. Je pense que le mieux, c'est de ne pas le couper. À l'époque, nous avions voté contre cette délibération, c'est-à-dire contre la vente de ces terrains, sur lesquels nous trouvions que le prix qui était proposé était bas, trop bas, surtout sur une commune comme Toulon où on est en manque de terrain. Les gens voudraient bien acheter des terrains pour pouvoir construire, donc on est bien sur la même délibération. Délibération qui prévoit effectivement, une servitude pour que la métropole, je le redis, puisse venir curer un ruisseau. Non mais, on essaye de ne pas couper quand on intervient sur la délibération en question. Et donc, j'en viens à mon propos, ce que nous souhaiterions, ça soit que pour la vente qui intervienne, comme on l'avait dit à l'époque de la première vente, on ait une opération financière qui soit plus intéressante pour la ville, peut-être moins pour le promoteur, voire que nous ayons la capacité de lotir nous-mêmes afin de permettre à des gens qui cherchent des terrains, il y en a beaucoup à Toulon, de pouvoir acquérir une parcelle. Or, sur ce terrain, on est en capacité de faire au moins 3 parcelles, puisque c'était le projet, encore une fois. Peut-être moins rentable pour un promoteur immobilier, mais je pense tout à fait louable pour un acquéreur individuel. Et donc voilà, c'est simplement sur cette délibération qui était bien la bonne, ce que nous appelions de nos voeux, en sachant qu'il y a toujours effectivement cette problématique du ruisseau et de la servitude qui, elle, est maintenue, qui n'est pas abrogée. Et donc, nous voterons favorablement ce retrait, cette abrogation et le retrait de cette vente, puisque l'acheteur s'était désisté. Je vous remercie. Ah bon, Madame Roussel. Oui, alors, ce terrain, je l'ai visité. Je suis très contente qu'on abroge cette délibération. C'est une très belle parcelle. C'est vrai que je pense que, avis aux amateurs, si vous remettez en vente, je pense en effet que faire 3 constructions sur ce terrain, c'était pas raisonnable. C'est vrai qu'il y a une servitude pour PPM pour aller curer le ruisseau. Ce que j'ai pu remarquer en interrogeant un peu les gens du secteur, c'est que ce terrain-là sert souvent aux gens qui prennent le bus, qui s'arrêtent, notamment les enfants du collège de Pommelet, qui prennent le bus de 36 et qui, utilisent ce terrain pour aller vers la colline Saint-Pierre. Voilà, c'est un raccourci qui pourrait peut-être servir aussi de prolongation à la télé verte, c'est peut-être à étudier, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce secteur. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. On a évoqué ce sujet lors de la commission et pour répondre à M. Lamarane, la ville n'a pas vocation à être promoteur immobilier. Donc je pense que lorsque bon lui semblera et lorsque les questions juridiques seront réglées, notamment, vous avez raison, alors c'est vrai, mais c'est très subsidiaire là, pour la délibération en question de la servitude. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Je vais continuer. Oui, alors effectivement.
résidence E203, c'est la gestion des eaux pluviales qui relève de la compétence métropolitaine. Et alors, la métropole propose d'acquérir une parcelle traversée dans sa longueur, par une utilisation d'eau pluviale, sa possession à l'euro symbolique. Et c'est la parcelle AX80. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. La 204, oui, c'est simplement la modification de divers procédures de transfert de biens à la métropole pour prendre en compte diverses modifications dont la liste est indiquée sur le projet de délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Monsieur Tanguy, pour la culture. Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit de renouveler en fait la signature d'une convention de partenariat entre nous-mêmes et le conservatoire. Alors, le conservatoire dépend principalement du TPM de Montigny pour les collaborations entre ce bel organisme d'apprentissage de la musique, du théâtre, de la danse et du cirque, et puis les installations de médiathèques. On le propose puisque l'actuelle convention arrive bientôt à son terme, elle donne toute satisfaction. Je le propose pour un au-delà de 3 fois. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Monsieur Jérôme. Monsieur le maire, ce projet de délibération a pour objet 6 demandes de remise gracieuse pour un montant de 500 000 euros. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Monsieur Mali. Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. Il s'agit d'attribuer des subventions dans le cadre de la campagne de rabattement de façade obligatoire 2016-2021, notamment pour le 29 rue Gimelli, il s'agit d'une subvention complète, et également pour le 14 place QG et le 7 rue de l'Or, il s'agit là de compléments de subventions. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Monsieur de Saint-Sernin. Madame le maire, chers collègues, il s'agit dans cette délibération de la signature d'avenant aux conventions partenariat sur les programmes Wati à l'école et Moti à l'école, des programmes de sensibilisation des enfants. Dans le cadre du programme Wati à l'école, en fait, c'est une reconduction pour un an de ce programme, avec du coup une participation de la ville pour un montant de 7 390 euros. Dans le cadre du programme Mobi à l'école, c'est simplement un petit décalage parce que le programme avait démarré un petit peu tard et donc il n'y a absolument aucune participation financière de la ville pour la prolongation de ce programme. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Madame Mondone. Merci Madame le maire. Il s'agit avec cette délibération d'attribuer une subvention à différentes associations de bande à jeunesse pour 6 associations d'un montant global de 18 500 euros. Ce sont essentiellement des reconductions. Sauf pour l'association Protac qui nous propose une journée supplémentaire au mois de septembre, tournée sur l'intergé, sur les gestes du premier secours au palais des sports. Voilà, donc on a donné un suivi favorable à cette demande. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Valérie. Merci Madame le maire. Dans la continuité de ce que l'on propose dans le cadre de Toulon Destination Adolescents, chaque année, vous savez que nous proposons des séjours de 5 jours 4 nuits. Là, il s'agit de 4 séjours. Cela va correspondre en moyenne à 120 adolescents qui sont inscrits. Donc nous avons donné une suite favorable pour un montant de 46 811 euros. À 2 associations, la FOL et le LEPA. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Monsieur Bonnet. Merci Madame le maire, chers collègues. Cette délibération a pour objet l'attribution de plusieurs subventions à 5 associations sportives pour un montant total de 5 300 euros. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Laurent, toujours. Merci. Alors, celle-ci a pour objet la signature d'un cahier des charges opérationnel pour 2023-2024 qui concernerait les conditions d'accueil éventuel d'une rencontre de l'équipe nationale du 15 de France féminin et ou de l'équipe nationale de France
moins de 20 pour le tournoi destination 2024. La signature de ce cahier des charges préalable est nécessaire, je le précise, à une candidature, mais pas une décision définitive. Il est pour ? Il est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Monsieur Moreno. Oui, merci Madame le Maire. Il s'agit dans le cadre du FISAC Centre-Ville de vous proposer d'accorder 22 subventions pour les commerçants pour un total de 25 802 euros, soit 5 centimes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. La délibération est adoptée. Martine. Merci Madame le Maire, mes chers collègues. C'est une signature d'une convention entre la ville de Toulon et le Centre communal d'action sociale pour la réalisation d'enquêtes sociales relatives à la prise en charge de l'animation des personnes dépourvues de ressources suffisantes sur la condition du Code général des collectivités territoriales, qui est aussi que le maire ou ADC, les représentants de l'État dans le département pour voie d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et jugée décemment, sans discrimination de culte ou de croyance. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Et avant d'en terminer, il y avait deux questions orales de M. Navarral. Donc la première question, c'est depuis 2019, la ville n'organise plus les festivités propres à la Saint-Pierre, patron des pêcheurs, fêtées le 29 juin ou le dimanche suivant. Et la question, c'était verra-t-on cette année cette belle tradition revenir ? En effet, on va voir revenir la fête à Saint-Pierre. Elle aura lieu. En effet, il y a eu 2 ans, au cas où vous avez oublié, il y a eu 2 ans de Covid. Et pour l'année 23, elle est prévue le dimanche 2 juillet à l'initiative de la paroisse cathédrale Notre-Dame de la Sèvre et de la Prud'homie. Je vous remercie. Pour la suivante, j'aimerais bien avoir un propos. À la base, en fait, les questions, on vous les envoie, mais sont des questions orales, pardonnez-moi. Excusez-moi, pas de soucis, mais sur la Saint-Pierre, vous aviez mieux résumé ma pensée que moi-même. J'ai dû faire un peu plus court. Hein. Je vous laisse poser la deuxième. Qui ne regarde pas la commune, qui regarde le département, et je vais faire la deuxième. Et merci pour cette nouvelle sur la Saint-Pierre. Il ne m'avait pas échappé qu'il y avait eu effectivement des événements sanitaires. Et donc je me félicite du retour de la Saint-Pierre, de sa procession et de la bénédiction de la mer. À propos de cette question orale, l'amiral voudrait rajouter un petit point. Monsieur Navarral, la Saint-Pierre, c'est effectivement une fête traditionnelle qui a eu lieu depuis très longtemps, qui était évidemment très encadré et organisé aussi par la mairie et pas que. Évidemment, si elle n'a pas eu lieu depuis plus de 3 ans, c'est bien sûr à cause du Covid, et aussi par défection d'un partenaire très important, qui est un peu de groupes. On n'était pas suffisamment fort, pour des raisons internes. Hein, et donc qui n'avait pas voulu reprendre. Du coup, la paroisse avait dit, bon ben, si j'ai pas de pêcheur, je ne fais pas. Et voilà, on n'a pas pu continuer à suivre. Hein. Il semblerait cette année qu'effectivement ils se soient remis d'accord et donc ils vont déposer un projet, la paroisse cathédrale et la Prud'homie, pour pouvoir reprendre cette tradition. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément uniquement une initiative de la ville, puisque c'est une fête à la base religieuse, même si c'est assez folklorique aussi. Religieuse et des pêcheurs, et après donc de la ville. Mais effectivement, oui. Effectivement, nous n'étions pas les seuls. Et les... Allez, votre deuxième question. Je vous remercie. C'est vrai qu'effectivement, le sujet, alors je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'un comité d'accueil nous informe aussi de ce sujet-là. Posez la question. Je ne m'attendais pas qu'un comité d'accueil nous accueille devant la mairie sur ce sujet, parce que s'il n'est peut-être pas de la compétence directe, je rappelle quand même que nous avons déjà délibéré 2 fois exactement sur le sujet, et donc il est éminemment d'actualité municipale. Le collège des Pins d'Alep devait être détruit et reconstruit. En attendant, la ville avait mis à disposition des terrains, dont un que nous avions acheté spécifiquement pour cela, encore qu'il y ait aussi un projet qui fera suite à ce qu'on pensait être le lieu d'installation du collège provisoire. Aujourd'hui, les parents sont inquiets. Or, on le sait, quand on va habiter dans un quartier, on n'est pas d'ailleurs lié qu'à la question du collège, mais aussi à la question des autres écoles.
Et c'est vrai que l'éventualité qui avait été présentée aux parents, qui était une option, a priori, d'aller chercher d'autres collèges ailleurs pour scolariser les élèves le temps des travaux, puisque le département ne souhaitait plus installer le collège provisoire sur le site que nous avions prévu, en partenariat avec eux, le fait de mettre les collégiens ailleurs inquiétait les parents. Ce que nous souhaiterions aujourd'hui, parce qu'il y a aussi, pardonnez-moi, mais vous-même d'ailleurs, des conseillers départementaux de la majorité qui ont voix au chapitre et qui se doivent de prendre une position publique pour donner leur avis, si ce n'est sur ce que sera la décision du conseil départemental, quelle est la position de la ville de Toulon sur le sujet, encore une fois, qui a mis la main à la poche avec d'autres ambitions derrière sur les terrains pour le collège provisoire, mais aussi sur la question de la stratégie qu'on a à l'égard des parents qui peuvent avoir des enfants dans des classes et dans des sections différentes, et notamment dans les écoles de la ville. Donc voilà, est-ce que ce que l'on entend, c'est-à-dire que finalement les travaux se feraient pour la construction d'un nouveau collège sur le terrain de sport, est une option que l'on peut présenter aux parents pour les rassurer? Et deuxièmement, est-ce que la ville entend bien maintenir cette position pour que le conseil départemental, ce coup-ci, acte que les travaux se fassent comme ça, pour régler une fois pour toutes les inquiétudes? Je vous remercie. Je pourrais vous répondre que notre règlement intérieur limite les questions orales des membres du conseil municipal aux strictes questions d'intérêt communal, et que votre question, comme je vous le dis en préalable, n'entre pas dans cette catégorie. Sauf qu'on a acheté des terrains pour ça. C'est moi qui parle. Je vous indiquerai toutefois, laissez-moi finir s'il vous plaît, la construction d'un collège et ses modalités de prise en compte des collégiens ressortent du strict domaine du conseil départemental. La ville de Toulon, dès le début de ce dossier départemental, a proposé les terrains de la Casa d'Italia pour accueillir un relogement provisoire de cette structure le temps des travaux. Cette proposition est maintenue et confirmée auprès du conseil départemental, qui examine actuellement tous les scénarios possibles pour cette opération. Le mois de juin devrait nous permettre d'avoir plus de visibilité sur ces différentes options. Je vous en remercie. Je vous remercie pour la tenue du conseil municipal.